des ressources rares, on s'est intéressé uniquement à la gestion des ressources rares. On a voulu s'intéresser à introduire les talents, à introduire les terres, mais faute de données. Donc on s'était intéressé pour le modèle uniquement à la ressource rare. Donc on va voir tout ce qui est côté offre, en gestion de la demande côté offre, côté demande. On va voir aussi une définition, parce que j'ai entendu dans la salle la définition d'empreinte eau et consommation de l'eau. Puis on va vous présenter les résultats du modèle qu'on a évoqué. Donc, la mise en contexte. Pourquoi ce problème se pose et pourquoi l'ISLM, comme ça a été dit par le président Bayari, on s'intéresse à ce sujet-là. On s'intéresse à ce sujet-là parce que pour notre modèle de production économique en Tunisie, ça a été toujours le cas que c'est à l'État de mobiliser les ressources pour l'économie tunisienne. C'est à l'État d'avoir c'est à l'État de préparer et d'avoir donc les ressources humaines, donc c'est à l'État d'avoir le facteur d'énergie. Donc, et maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a même sur le plan international un problème de rareté de ces ressources-là. Donc il ne faudrait pas uniquement aller et se focaliser sur la partie offre, c'est-à-dire la mobilisation de ces ressources-là par l'État, mais aussi il faudrait. Côté demande, donc on essaye de un peu faire une réallocation et d'avoir d'adapter notre demande et notre utilisation de ces ressources-là par rapport à ces contraintes, par rapport à nos objectifs. Pourquoi ? Donc, parce que côté offre, il y a toujours cette problématique. Comment on pourra exercer sur l'offre ? C'est principalement sur la politique de tarification. Mais vu que l'État ne peut pas exercer sa politique de tarification parce qu'il y avait plusieurs contraintes, il y a la contrainte du déficit public, il y a aussi la contrainte de tout ce qui est le choix politique, les pressions, et aussi donc, tout ce qui est croissance démographique. Ça fait qu'on ne peut pas continuer à demander uniquement à l'État de gérer cette problématique de rareté, côté offre uniquement, parce qu'il y a un problème d'immunisation. Et aussi, il y a un problème même pour utiliser le facteur de tarification. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, comme ça a été dit par il y avait plusieurs pays qui ont essayé d'avoir des politiques industrielles et politiques qui intègrent la rareté de ces ressources-là dans leur politique. Donc, il faudrait avoir une gestion de la rareté de l'eau, côté de la demande, qui permet de mieux gérer cette rareté et d'essayer d'avoir des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est pour bien avoir une réaffectation de ressources, c'est-à-dire utiliser ces ressources-là dans les secteurs et dans les activités qui permettent d'atteindre les objectifs, ou bien avoir une meilleure valorisation de la ressource. C'est-à-dire avoir une meilleure valorisation, créer plus de valeur ajoutée en utilisant la même quantité. En termes d'empreinte eau, ça a été présenté par Sinem tout à l'heure, l'empreinte eau, c'est le volume total d'eau virtuelle utilisé pour produire un produit ou un service. Donc, les statistiques qui ont été présentées, c'est une statistique internationale que vous pouvez trouver sur le site de la FAO. Donc, c'est tout à fait disponible. Et ça inclut c'est-à-dire la quantité d'eau qui est consommée dans un pays, ou même c'est la quantité d'eau importée. Donc pour l'heure, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a tout ce qui est les matières premières et tout ce qui est, ça a été importé, donc ce n'est pas supporté pour l'humain. Nous, pour notre modèle, on va s'intéresser principalement à la consommation directe. C'est-à-dire la consommation directe, c'est la consommation directe de l'eau par un secteur d'activité. C'est-à-dire la consommation d'eau qui a été utilisée en Tunisie. Par le secteur et directement. Aussi, il faudrait faire la distinction entre les différents types d'eau. Dans la littérature, il y a l'eau bleue, c'est-à-dire qui est l'eau captée pour l'usage domestique et agricole. L'eau verte, donc c'est principalement l'eau de pluie stockée dans le sol. Il y a l'eau grise qui est l'eau pollue.
Pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que dans notre modèle, on va utiliser comme variable c'est l'eau qui est consommée directement du usine qui est de l'eau. On ne va pas tenir compte de l'eau. Le modèle qu'on va qui a été élaboré, c'est un modèle d'équilibre partiel qui prend en considération les activités qui consomment de l'eau et dans les conditions disponibles. Donc on a essayé d'avoir plus de secteurs, par exemple pour l'industrie, on va avoir une textile, parce qu'on n'a pas réussi à avoir des données par filière. Donc par exemple, on a pu introduire par exemple le phosphate, le chimique, et on nous a mis à avoir des données qu'on a en termes de consommation. Donc, l'objectif, c'est maximiser la fonction objective de la somme des valeurs ajoutées. Donc, on a mis comme objectif, c'est maximiser la valeur ajoutée. Donc, on a pu faire le même travail, Donc, par exemple, avoir plusieurs objectifs, comme la fonction mémoire, ou bien la fonction exportation, pour avoir plus de réserves de change, ou bien maintenant, pour le temps de Donc, c'est ce travail-là que nous avons maintenant le modèle, nous avons chaque fois, si on pourra, on va voir quels sont les modèles qui vont être en termes de ressources. Les ressources qu'on a utilisées, c'est dans le sous-groupe, c'est mesuré par la consommation directe, donc par un secteur. Donc on a mis aussi comme facteur de ressources d'énergie. On a mis aussi le travail en termes de main-d'œuvre en qualité et main-d'œuvre en technique. Pour les activités, donc on a dit pour les activités de l'agriculture d'olivier, pluviale et hyper intensive, l'agrume, d'abord des boîtes légères, les palmiers d'acier, donc nouvelles ou anciennes plantations, les arbres à noyaux, les céréales et les tomates, centre des normes, donc les banques de terre, donc centre des normes. Pour les activités de tourisme, on a pris le mode d'arbre de 5 et 4 étoiles, et on a pris la moyenne d'arbre, donc moins de 3 étoiles. Donc les activités d'industrie, donc c'est une idée uniquement du secteur de textile. Juste une idée sur les données qu'on a pu avoir, c'est par exemple pour l'agriculture, la consommation d'eau globale, pour le secteur retenu pour notre modèle, c'est 2200 millions de mètres cubes, pour le tourisme, 59 millions de mètres cubes, et pour l'industrie, c'est 9 millions de mètres cubes. Si on voit, par exemple, la consommation d'eau directe, en Tunisie par unité de production. Donc, on a pris juste, par exemple, pour le levier hyper intensif, c'est 3 000 m3 d'eau par hectare. Donc, pour la grume, c'est 7 500, pour les palmiers, 18 000 m3 par hectare, l'arbre à noyaux, c'est 6 000. Par exemple, pour le pomme de terre, c'est 4 500 mètres cubes par hectare, et pour le tourisme, c'est 4 mètres cubes par hectare. La valeur économique. Donc, lorsqu'on a fait tourner le modèle, on a retrouvé que la valeur économique de l'eau, c'est 3 dinars 500. C'est-à-dire que pour la valeur ajoutée que devrait apporter un mètre cube d'eau bleue utilisée dans les activités économiques, ça doit apporter à l'économie 3 dinars 500. Donc, chaque activité économique qu'elle va utiliser un mètre cube d'eau, normalement, elle devrait au moins apporter 3 dinars 500. Quels sont les acteurs et les activités qui rapportent cette valeur ajoutée qui est demandée? On a trouvé le levier pluvial, c'est normal, ça ne se consomme pas peu. Donc, l'olivier hyper intensif, le blé dur, la tomate pour la région du Nord, la pomme de terre au centre et l'activité textile. Donc, on a vu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que, si on fait une réaffectation, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace? Enfin, l'optimisation, si on fait une affectation pour des activités qui sont vraiment une bonne valorisation de la ressource, ça ne va rapporter uniquement que 12
l'ergonomie en termes de cas potentiel, sachant qu'il faudrait introduire le coût de remplacement et le coût de changement d'un secteur à un autre. Donc vraiment, ce n'est pas la solution, donc on n'est pas pour qu'il y aura uniquement une concentration sur les secteurs qui rapportent plus pour l'économie, parce qu'il y aura aussi d'autres objectifs et d'autres contraintes. Le résultat obtenu, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, la proposition, donc, ce qui sort de notre modèle, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un gain potentiel en cas d'amélioration des autres secteurs avec les mêmes ressources. C'est-à-dire, ou bien on utilise les mêmes ressources qu'on a, mais on améliore la valeur ajoutée, ou bien avec la même valeur ajoutée, mais il faudrait utiliser moins d'eau. Donc, l'effort additionnel en termes de valorisation de la ressource d'eau, si avec la même quantité d'eau utilisée, les autres secteurs ils réussissent à avoir un niveau de valorisation qui est de 3,5 millions de cubes, ça pourra apporter 3,2 millions de cubes de valeur ajoutée. C'est une théorie parce qu'il y a d'autres objectifs et d'autres priorités à tenir en compte. Mais si on fait par exemple une économie d'eau, ça va avoir une économie d'eau de 429 millions de mètres cubes, donc ça pourra nous apporter pratiquement dans les 43 000 hectares de terre arable en plus pour ça, donc il faudrait voir la faisabilité économique. Il y a d'autres priorités en tenir compte, mais ça nous donne au moins une idée pour avoir des chiffres. Pour les autres secteurs, quel est l'effort demandé aux autres secteurs pour une bonne valorisation? Par exemple, pour les agriculteurs, notamment, il faudrait pratiquement 7% de plus en termes de création de valeur pour la même quantité d'eau utilisée. Par exemple, si on prend les palmiers, dattiers et nouvelles plantations, c'est uniquement 34%. Si on prend les palmiers, dattiers anciennes plantations, c'est pratiquement 300% de valeur ajoutée en plus avec la même quantité d'eau utilisée. Si on prend par exemple la tomate au centre, c'est pratiquement 12,9%. Pour le tourisme, donc c'est pratiquement entre 17 et 25% la quantité, donc la valeur ajoutée supplémentaire qui est demandée pour la même quantité d'eau utilisée. Bien qu'il faudrait consommer moins d'eau et on va voir s'il faudrait les inciter aussi à avoir des politiques sectorielles et fiscales pour qu'ils utilisent moins d'eau. Donc, comme j'avais dit, donc c'est un objectif théorique qui ne peut pas être réalisé parce qu'on devrait tenir compte d'autres objectifs et d'autres priorités. Bah, le simple des objectifs et les priorités, c'est autre chose. Donc en termes d'objectifs, parce qu'il faudrait voir en termes d'export et en termes de triangulisme, on ne pourra pas demander au même secteur uniquement de se concentrer sur la valeur ajoutée parce qu'il y aura des secteurs qui pourra être, disons, moins exigeants en termes de valeur ajoutée parce qu'ils rapportent en termes d'export, en termes de l'entreprise, ou bien en termes d'emploi, ou bien en termes de développement régional. Parce que dans des régions, malgré que la valeur ajoutée n'est pas faisante, mais il y a la contrainte du développement régional. Il y a aussi des pressions. Donc, il faut tenir compte des pressions, mais il ne faut pas tenir compte beaucoup des pressions, il faut résister aux pressions, surtout en termes de pressions sociales. En termes de pression politique, et aussi nous avons la négociation avec la Liga. Juste à titre de rappel, lorsqu'on a fait le forum du Tunis en 2016, et ça a été sur quels sont les préalables pour que la Tunisie rentre dans les négociations de la Liga, juste je rappelle pour le secteur agricole que on a dit, donc ça a été fait en 2016, que ce sera rentable pour la Tunisie, c'est que si le taux de valeur ajoutée pour l'agriculture atteint 13% et qu'on pourra augmenter les terres arables par 228 000 hectares. Donc, mais comment on pourra le faire et augmenter ça si on n'a pas la capacité d'eau? Peut-être aussi on pourra demander et avoir une politique d'utiliser l'eau de l'agriculture qui va permettre d'avoir plus d'économie d'eau, ça va nous permettre au moins d'avoir plus de terres arables et de tirer profit de la négociation pour l'année. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que les politiques sectorielles des négociations en cours devraient tenir compte de cette partie. Il ne faudrait pas que maintenant, lorsqu'on parle de la Tunisie, on entend plusieurs politiques sectorielles, industrielles, on parle de la négociation,
mais on n'a pas, on voit pas, c'est pas clair dans les politiques publiques et les stratégies mises en place. On tient compte vraiment que sur le marché, il y a toujours la demande de l'État pour faire plus de mobilisation. C'est le rôle de l'État qui devrait le faire, mais c'est un effet, l'effet de la rareté, c'est un effet structurel et il faudrait tenir compte. Donc, comme ça a été dit, dans plusieurs pays, ils ont fait le pas, ils tiennent compte maintenant de ce phénomène de rareté. Et d'ailleurs, demain, nous avons le forum de l'emploi qui va parler d'une autre ressource rare qui est les talents. Donc, pour d'autres événements à l'ISFE, parce qu'on pourra collecter les données, parce qu'il y a toujours encore des données, on pourra s'intéresser à la rareté des terrains, donc comment faire pour une meilleure réalisation. Vous pouvez voir que nous avons des objectifs en termes de croissance, mais c'est vraiment limité parce qu'il y a vraiment un vrai problème de rareté. Donc, les politiques industrielles adoptées devraient tenir compte de l'aspect territorial, parce que l'aspect territorial, c'est très important dans tenir compte, de l'intégration de l'échelle des valeurs globales, et surtout la construction des politiques industrielles doit se faire dans un dialogue public-privé. Pourquoi dans un dialogue public-privé? Parce qu'il y aura, de l'arbitrage, il y aura aussi une connaissance des perspectives des politiques industrielles, et ça devrait uniquement tenir compte des objectifs qui ont été fixés. Les gains d'efficacité sont possibles si on fait uniquement deux choses. Ou bien on a une amélioration des activités existantes par une augmentation des rendements physiques et monétaires, donc c'est l'augmentation de la valeur ajoutée, donc bien le rendement physique c'est pratiquement la productivité, ou bien la réduction de la consommation à travers les maximums, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie en termes d'économie. Si on n'arrive pas, donc il faudrait avoir une gain d'efficacité à travers une meilleure réaffectation de ressources, parce qu'il ne faudrait pas perdre en vue le jour que nous avons ces quatre objectifs qu'il faudrait atteindre. Donc c'est valeur ajoutée, donc tout ce qui est rentré en devise, en droit et inclusion financière, et je vous remercie pour votre attention. Merci.